Lucie Lucas et la série Clem. Ce n'est pas facile pour mon mari. Lucie Lucas a confié lors d'une interview accordée à Pure People qu'il était parfois difficile pour son mari de l'avoir joué le rôle de Clémentine Boissier dans la série Clem. Il faut dire que dans la série, le personnage de la jeune femme vient tout juste de se marier à Jérôme. Depuis 5 saisons maintenant, Lucie Lucas incarne le personnage de Clémentine Boissier dans Clem. Cette série diffusée sur TF1 raconte l'histoire de Clémentine, une adolescente qui est tombée enceinte et a dû gérer sa grossesse en même temps que ses études et sa vie d'ado. Au fil des saisons, Clem se sépare avec le père de son enfant, Julien, et rencontre un certain Jérôme, qui décide d'élever le fils de Clem comme s'il était le sien, et qui, à la fin de la saison 5, épouse la jeune femme. Lors d'une interview accordée à Pure People, Lucie Lucas a confié que le rôle de Clem n'était pas toujours facile à gérer pour ses proches, d'autant plus que la comédienne de 28 ans a 2 enfants et qu'elle est mariée. « Ce n'est pas facile, mais mon mari a bien compris qu'il y a une différence entre la fiction et la réalité. Forcément pour lui, de nous regarder nous embrasser, ce n'est pas très agréable, c'est sûr, mais il ne le vit pas trop mal. » Lilou et Moira, les deux filles de Lucie Lucas, âgées respectivement de 4 et 3 ans, ne regardent pas la série. La petite Lilou aurait cependant eu l'occasion de visionner la série une fois, lorsqu'elle était plus jeune, et elle aurait été perturbée de découvrir sa mère aussi proche d'un autre enfant à l'écran. Elle est restée fascinée devant la télé, elle n'arrivait pas à partir. Puis le soir, elle n'arrivait pas à dormir, elle demandait « Mais est-ce que t'es bien ma maman? Est-ce que papa c'est bien mon papa? Pourquoi tu dis maman à quelqu'un d'autre ?» a ainsi expliqué la jeune femme, qui a également confié ne pas vouloir de troisième enfant pour le moment. En parallèle de la série Clem, Lucie Lucas a également tourné un film, Porto Mon Amour, au Portugal. Une expérience qui a beaucoup plu à la jeune femme.